Ok, le truc se met à jour, donc comme je disais, bonjour YouTube, c'est Dr Chips. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Kemono Friends, Silurlan Mike Ride, je crois, si je me souviens bien du nom du jeu. Alors ça fait un moment que j'ai plus trop joué à Kemono Friends, on va essayer de reprendre ça un petit peu doucement. J'ai l'impression que le son est super fort aussi, je vais baisser ça. J'espère que ça sera un peu meilleur, sinon n'hésitez pas à me dire ça sur le live pour ceux qui sont là. Normalement le chat devrait apparaître aussi sur le live. Et du coup c'est parti, on s'est arrêté là, la zone de la forêt. Donc on va continuer, je sais plus quel niveau j'étais, je crois qu'ils attendent des niveaux... Je sais pas mes stats là-dessus, niveau 29, ouais, donc je suis à peu près dans la bonne zone de niveau. Il y a des pièces à récupérer. J'ai oublié qu'il y avait du poison et d'autres trucs comme ça. Au niveau des items, qu'est-ce qu'on a? On a des pansements, j'ai pas un antidote. Ça c'est les trucs pour donner, ouais. Là c'est les cristals qui nous donnent je sais plus quoi, ouais j'ai déjà un antidote, c'est cool. Et on va... je crois que cabane était pas mal. Je suis à 8 points. Qui était cool encore. Il me permet de voir les bombes. D'augmenter la puissance d'attaque. La résistance des impacts et donne des cools, c'est Lurian. Augmente la défense, ouais. Gagne immunité aux pièges de feu, on s'en fout. Je crois que lui était pas mal. Il me restait encore 4 points, donc à la gauche je pourrais en prendre 2. On prendrait les Toki, je crois qu'il me permettait de... Truc assez haut aussi, ouais. C'est parti, on a ces trucs, ces bras-ci. Qui apparemment ne font rien. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un perso qui nous permettait de voir à travers les murs, j'avais complètement oublié ça. Voir à travers, voir les ennemis. Je reprends un petit peu le gameplay en main. Ok, donc on a le bouton Y qui nous permet de passer en mode Super Saiyan. Et je crois qu'on avait un truc pour faire des attaques spéciales, mais je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était L2 ou R2, je crois, un des deux. D'après la carte, il y a l'air d'avoir rien d'autre par là. Faut que je fasse gaffe à mon énergie aussi, c'est vrai. Qui diminue avec le temps. Ah mais on a sorti directement là. C'est tout, il y avait rien d'autre. Je vois qu'il y a d'autres ennemis par là-bas. Il y a un truc par là, ok, c'était une pièce. Il y a des trous, j'ai pas l'impression que je peux tomber dedans. Ah mais c'est peut-être des ennemis sur la zone où j'étais avant, ouais, qui sont réapparus. On va essayer de les affronter un peu, ça peut faire un peu d'XP quand même. Ah voilà, j'ai retrouvé comment faire les attaques et tout. Ok, des pièges de froid qui nous diminuent tout de suite toute notre énergie, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Le jeu m'avait manqué, je vous avoue, ça fait un moment que j'avais plus trop joué. Et c'est toujours aussi fun en vrai. Et je crois qu'on était quasiment à la moitié du jeu, donc je me dis pourquoi pas essayer quand même de le finir. Même si je vous avoue que vu que ça fait un moment que j'ai plus trop joué, peut-être perdu un peu la main sur certains trucs. J'espère que ça va vous plaire, pour ceux qui suivent encore le jeu. J'ai hâte de voir un peu la suite, parce que j'ai vu qu'il y avait des niveaux un peu exclusifs. Qui n'étaient pas forcément dans l'animé, même là la jungle, je vous avoue que je m'en souviens plus trop de ce qu'il y avait. Des ennemis qu'on va rencontrer et tout ça. J'ai plus d'énergie, merde. Faut que j'arrête de passer sur les pièges aussi. J'ai pas quelqu'un qui me permettait d'enlever les pièges de poison. Immunité au piège de boue. Au piège de feu. Elle non. Immunité ouais, au mode trappe. La résistance au coup. Et les deux autres c'était quoi? Restaurant la stamina. Ouais, pas grand chose. Pas de truc encore pour les pièges de poison, il me semblait que si pourtant, mais apparemment non. On va essayer de faire gaffe, ou c'est des antidotes si j'en ai encore. J'ai obtenu quoi là?
Mets un petit bandage dans le doute. Elle est sortie par là. On va y aller. Elle me dit qu'il y a encore quelqu'un à se secourir ici, ok. On va essayer de le trouver. Ah bah ils sont là. C'était les hiboux du coup. Nous aurons en tant qu'amis, effectivement. Et qui nous permettent de quoi. On donne du recul, puissance de recul lorsqu'on attaque. Et c'est quoi? Augmente fraise d'invisibilité. Augmente la. L'invincibilité. Une frais la frame d'invisibilité de 20%. Et elle, pareil, donne un coup, enfin des trucs. De puissance de recul lorsqu'on attaque. Et dodge rate, je crois que c'est le truc de parade ou un truc comme ça. C'est pas forcément les plus utiles, mais c'est toujours ça au pire. La musique par contre, j'avoue, j'avais oublié qu'elle était vraiment... qu'on ait vraiment des belles musiques dans ce jeu. Pas que j'oublie de faire mes attaques spéciales comme ça. J'ai aussi des attaques de piqué, c'est vrai. Salut, salut Hugo Bogos, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. On est sur un jeu qui s'appelle Kimono Friends. Un autre jeu, un truc à rallonge, je sais plus le nom du jeu exact. Demon Man Cry, je crois, ou un truc comme ça. Qui est un jeu un peu fan game d'une licence d'animé. C'est sorti gratuitement sur Steam, donc si jamais t'as envie des jeux. Oh putain, par contre, je suis en train de prendre cher. Je connais TKT. Ah ouais, je crois que t'étais peut-être déjà là aussi quand j'avais fait quelques vidéos sur le jeu. Enfin, vidéo. Quand j'avais fait les autres lives sur le jeu. Ouais, je prends super cher par contre, on va essayer de restaurer sa vie. J'étais déjà au premier live, ouais, c'est ce qui me semblait maintenant. Bah, je décide de reprendre le jeu, j'avoue que ça fait un moment que j'ai plus trop le toucher. Vu qu'on était quasiment à la moitié du jeu, voire un peu plus, je voulais essayer de le finir. Y'a une ligne par là? Ah, par là-bas, ouais. Donc là on se retrouve dans la jungle, promant. Je sais plus quel type de boss il y a ou quel monstre on va recruter. Je sais pas si t'avais vu, c'était déjà là, mais on a récupéré de nouveaux persos. Donc je crois que c'est l'aigle, la face blanche et il y a un autre nom Eurasian Aigle. C'est aussi, enfin c'est un hibou même pas, ça c'est des hiboux. L'hibou du nord à face blanche et je crois qu'en français il y a un autre nom. L'hibou d'Eurasie, je sais plus de quelle zone il est maintenant. Mais ils n'ont pas des pouvoirs trop stylés, je trouve. Permettre de donner des coups de recul aux ennemis, c'est sympa, mais je m'attendais un peu à mieux. Faudrait que j'esquive un peu plus. Ah, petit level up, on n'avait pas des stats aussi encore qu'on pouvait se donner quand on level up. Non, il me semblait. Petit antidote. On va soigner un petit peu. On va faire gaffe, là il y a un piège qui va apparaître des ennemis. L'adversaire qui va la monnaie aussi encore, on peut acheter des améliorations et tout ça. Essayez de viser le cristaux, c'est vrai que pour ceux qui arrivent peut-être, faut viser les cristaux, c'est un peu le point faible des ennemis. Ça permet de les stun, il leur fait un peu plus de dégâts. Ah, j'ai plus d'énergie, on va attendre un peu. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un mini-boss peut-être? Quand on est assez partout, on va déjà battre un peu les petits ennemis qui sont là. Les persos sont presque morts et je crois que j'ai plus de... Oh! Parfait. C'était facile. On a gagné un grand cristal. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'essayer ces trucs. Par là, y a rien. Piège de boue, on s'en fout. Un ennemi qui apparaît par là et je tombais quasiment sur les pics maintenant.
Encore un ennemi? Non, c'est bon. Je vais me recharger un peu mon énergie. Voilà, on voit ça remonte assez rapidement. Je savais plus. Je pensais que ça prenait un peu plus de temps. Attends, on les démonte quand même. Les merdes. Ils ont activé le piège. Chiant de ces petites libellules. Oh, même ça en vrai. Oh, mais on prend super cher. J'ai pas d'autres trucs sinon qui peuvent faire des dégâts. Il y a ça, mais c'est pas ouf. Merde. Oh, j'ai pris cher en vrai. On va retourner, ouais. Je vais voir si je peux pas acheter des items de soins. On a acheté quelques-uns, ça paraît on va en acheter un. Et le reste, c'est des attaques plongeantes et tout ça, mais je crois que j'ai plus assez d'argent. Je sais pas où on le voit, mais on va dire que j'en ai plus assez. Arrêter du coup là et on va essayer de speed un peu. Ah ouais, mais niveau 31 à 35 aussi, ça j'ai pas forcément le niveau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'ennemis à battre avant de pouvoir passer et j'ai pas activé des d'amis, donc ça va pas pouvoir le faire. Et allez, au pire, ah, j'ai pas assez de points, merde. Ouais, c'est comme un des hibou pour voir. Ok, là c'était assez rapide. Et encore qu'on peut sauver, ouais. Donne des trucs que je peux pas utiliser. Je vais voir si je peux pas XP un peu plus quand même, ça pourrait m'arranger. Peut-être faire une petite phase d'XP quand même avant. Parce que je suis niveau combien? Je suis niveau 30, ouais. J'ai pas vraiment le niveau encore pour cette zone. Enfin, j'avoue que si je me prends tous les pièges, ça risque de pas le faire. Level up. Pas que j'oublie d'utiliser mes compétences aussi. Une sorte de coups spéciaux. Il y a quoi? Il y a un truc à récupérer, ouais. Alors, il semblerait que j'ai loupé une pièce aussi. Ok, donc on affronte assez rapidement les ennemis, ça va. On va passer à l'étage suivant, où ça je peux récupérer maintenant ou pas? Non, plus de place. On va utiliser ça, même si bon, ça sert pas à grand chose, vu que je vais regagner ma vie à l'étage suivant.
J'ai pas des antidotes? Non, j'en ai toujours pas. J'aurais dû en acheter quelques-uns quand même. Le problème, c'est que ces vers commencent à me faire chier avec leur zone de poison à chaque fois. Par là on était déjà passé, par là il y a l'air d'avoir des trucs encore, je suis pas allé. Ok, l'inventaire est full, ouais mais je vais pas prendre ça, ou alors j'utilise un de ces cristaux. Afficher des dégâts aux ennemis. Diminuer la puissance. Et ralentir les ennemis pendant un court instant, ouais on va pas les utiliser, tant pis. Par là je crois que j'ai oublié une pièce, ouais. Parfait. Y'a quoi par là? Ok c'est un piège, merde. J'ai pas vu avec la caméra. On va... Allez, diminue la puissance des ennemis. Tant qu'à faire, on utilise un peu ces items. Ah, la sortie est par là. Ouais, c'est là où il y a le gros ennemi qu'il va falloir battre. Oh, une bombe anti-poison. Bombe de poison. Ah ouais, oh ça peut être stylé par contre. Dans la zone du boss ou une grande zone ici. On va essayer d'utiliser là. Ouais, il a bien pris cher déjà. J'ai pris un peu cher, on va mettre ça un item de soin. Pareil, il y a un piège, est-ce qu'on le déclenche ou pas? Allez, ça fera un peu d'XP. Faire gaffe, pas mal de bourrage pour moi quand même. Oh, t'es violent toi. Là il y a une pièce en plus. Par là on n'est pas allé. Il y a de rien à voir. Ça m'aurait direct dans un piège de glace, hein, bravo. Lui on lui a roulé dessus. La sortie est par là, ouais. Il y a encore un piège. Ouais mais à côté d'un piège de feu ça me tente pas. J'ai encore quelqu'un à secourir ici. Ok. On va essayer de le trouver alors. Je pense que c'est le raton laveur et Fennec peut-être qui doivent être quelque part. Là le petit piège. Ça a l'air d'être ça, c'est quoi? Oh! Augmente la récupération d'HP pendant un court moment. On va reprendre un petit médoc. Oh c'est vrai que j'avais un truc comme ça je crois. Une sorte de coup éclair, faut pas que je l'oublie. Qui était assez puissant, ouais, de mémoire. Là je suis pas encore allé. J'ai personne à secourir par là. Où est-ce qu'ils peuvent être alors? Par là je suis allé en bas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un coin où je suis pas allé, ouais. De ce côté là.
Ah non, c'est quelqu'un d'autre. C'est Grand Tatou, je crois. Qui vient avec nous? Ah non, dommage. On va pouvoir l'invoquer tout de suite. Lui qui se met bien dans le piège de feu, bien sûr. Bon, faut pas que j'oublie les attaques spéciales, hein, clairement c'est dévastateur. Et bon allez, ils ont activé le piège au pire. Ça fera un peu d'XP en plus. Ils ont plutôt bien géré mes potes. Vraiment perdu dans la forêt là maintenant. Même quand on lui met une bonne attaque comme ça. C'est quoi ces trucs? Oh, des papillons maintenant. Qui ont l'air assez rapides. On a quelqu'un d'autre. Oh, c'est pas le camion panthère. Vous voulez me donner quelque chose? Après je peux plus rien porter malheureusement. C'est dommage. Là pareil, un pansement. Et puis on repassera si on a besoin d'un item. Encore quelqu'un sauvé ici? Bon, en vrai, je suis en train de... Oh merde, je prends cher. J'avais sous-estimé un peu les hiboux. Ils ont l'air de foncer sur les ennemis. Cristal bleu, ouais. Par là, mis à part des pièges, y'a rien. Il y a une pièce au milieu des pics, ça me tente pas. Là c'est une bombe, ça me tente pas. Là c'est un pansement, ça me tente pas. C'est quoi, un cristal vert? Je sais pas ce que c'est. Inflige des dégâts aux ennemis, ouais. Et par là je crois que j'ai oublié une pièce. Ouais, elle est là. Je sais pas si c'est l'étage suivant alors. Bon, les niveaux commencent à être assez longs maintenant à partir de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pièces, pas oublier que l'argent c'est très important pour augmenter sa vie et acheter une nouvelle compétence. Bon, cristal bleu, on va passer à la suite, ouais, quoi qu'il y ait quelques ennemis encore qu'on peut affronter. Je suis bientôt proche du niveau suivant. Quand plein de pièges par là, pièges de feu, tout plein de trucs. Ouais, des pièges partout par là. Allez, parfait, level up. On va se rendre maintenant du coup à l'étage suivant. Pas oublier que j'ai ma super forme aussi là, Super Saiyan. Qui augmente ma vitesse, mes dégâts et tout ça. Encore un giga boss par là. Ça parle de Raccoon-san qui va sûrement être à la roche devant, en train d'affronter le boss. Oula, qu'est-ce que c'est que ces trucs?
sortir là. Ouais, bon, on va essayer d'affronter le méga boss. Ah bah là, il y a Raccoon et Fennec, parfait. Qui vont augmenter nos petites stats. Où est le méga boss? Je ne sais pas. C'est quoi ces trucs là? Ok, je vois ce que c'est. On va utiliser ça. C'est pas lui. Il y en a peut-être pas en fait de boss à cet étage. Ça disait peut-être qu'on se rapproche du boss. À part des ennemis un peu normaux là, j'en vois pas tellement. D'ennemis un peu plus puissants. Non, j'ai pas grand chose d'autre sinon. C'est ce papillon, non? Ce papillon a une taille normale. Bon, allez, l'étage suivant du coup. L'étage chiant qui se trouve à côté, ouais. Ah, le Kiba qui se trouve là. Je me fais défoncer déjà par un ennemi. La moteur est fou. Ouais, après j'ai pas grand chose que je peux prendre en plus. Ça m'offre plein de trucs, c'est sympa, mais pas vraiment ce que je cherche. Ah, un nouvel ennemi ici. Ah non, il y a juste à côté. Je vais utiliser une bombe. Du coup, let's go. Est-ce qu'on a pas un autre truc qui inflige des dégâts? Inflige de sérieux dégâts aux ennemis. On a regagné un cristal vert, bah si c'est pas parfait ça. Ah, il y en a un deuxième même là-bas. Ouh. Bah écoute, on va tout de suite aller l'affronter. Là c'était la potion qu'on avait au début, ouais. Niveau... Oh par contre niveau XP on a nouveau presque, on monte presque nouveau d'un niveau. Une bonne zone de farm par là, j'ai l'impression. Ah mais en vrai, ces trucs, ça esquive je sais pas comment et ça fait super mal. Parfait, level up aussi. Je pense que la suite devrait être par là. Ok, voilà, la sortie est là. Je crois qu'on est arrivé à l'étage 9, donc peut-être l'étage du boss maintenant. Ouais, c'est ça. Ah, quoique. C'est un Lucky Bag géant. On se retrouve sur la plaine de nouveau, là où on était, où on est d'habitude. Oh, 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 oh. Ok, niveau bulldozer. Tu fais super mal. Ah, son cristal est là, je l'avais pas vu, ok. On va se soigner par contre, je vois que j'ai pris bien cher. Et est-ce que je peux pas augmenter mes stats avec un item ici? Augmente la stamina, les dégâts pendant un court instant. Contre son truc de bulldozer fait super mal. Réussir à toucher son joyau qui cache ça un petit peu. Son truc de bulldozer en vrai qui est chaud. Cacher son joyau autre part maintenant.
crois que mes amis sont plutôt mal au point. Pas se cacher là-dedans sinon. Ça peut pas nous avoir, ouais, mais après on peut pas le toucher non plus. Je peux pas lui mettre une bombe de poison sinon. Ça peut lui faire quelques petits dégâts, c'est cool. Ouais, son cristal de découvert là. Plus de stamina par contre, on va faire gaffe. Ah c'est vrai, j'ai oublié que j'avais un double saut maintenant. On prend salement cher. Hein. J'ai pas une autre bombe. J'ai plus rien pour me soigner, c'est compliqué, on peut prendre ça à la rigueur. Et ça, sinon je peux pas les utiliser. Ça augmente un peu la puissance, mais ça marche pas sur les boss. Elle a son petit point faible au centre, mais plutôt difficile à atteindre, je trouve. À moins de se mettre tête sur lui, mais pareil, vu qu'il bouge pas mal. Non, bah si, j'étais juste à côté de lui, putain, il lui restait presque plus de vie. On va retourner, reprendre des items de soins, écoute. Niveau 34 en plus, ouais, j'aurais tellement dû me soigner ou acheter plus d'items de soins. On va acheter que ça. HP up aussi. Et à la rigueur, j'ai ça que je peux prendre. Spécial plus jump. On peut spin sur les ennemis. Faire un attaque en jump, ça peut être utile, là j'ai pas assez. On reste combien? On va essayer d'aller un peu plus vite cette fois. On va prendre les mêmes en vrai. Je trouve que c'est un bon combo. Se dépêcher d'aller au prochain étage.
Ah bah ils ont presque tous tué des jambes, non? C'est stylé. Ça fait de l'XP facile. Bon, il est où l'étage suivant? Il est là, ok. Tout de suite y aller. Il y a un piège ennemi là. Tant qu'à faire, tant qu'on a pas mal de points. Dommage que j'ai pas d'attaque à distance aussi, ça manquerait un peu de ça je trouve. On va sauvegarder aussi tant qu'à faire, ouais. Peut-être une bonne idée ça. Je crois que c'est là où il y a le boss normalement. Non, c'est pas encore à cet étage. Ah si, c'est déjà là, ok. J'ai pas un item pour lui. Bien défoncer le passage hein. Ça fait un petit raccourci au moins. Ah bah un autre perso ici à secourir, parfait. Qui me donne je sais pas ce qu'il m'a donné, il m'a donné ça. Qui fait plus de dégâts pendant un court temps. Ah c'est là on commence à voir les papillons, ok. Je commence à avoir du monde ici On va quand même se soigner vite fait. Petit bandage. Pas trop parce que la sortie est juste par là. Ouais, on va quand même faire gaffe hein. On passe à la suite. Là, il y a beaucoup trop de pièges à mon goût. Je sais pas où je voulais aller mais ça a l'air d'être bon quand même. On a récupéré pas mal d'items de soins. Pour le boss je pense que ça devrait être ok. Vas-y petit item de soins.
là il y a Raisan et Raccoon, on peut sauver, ça augmente un peu nos stats. Encore du fric. Là je comprenais plus rien maintenant, apparemment ils ont battu des petits ennemis. C'est un piège ici, ok. Passer à la suite avant qu'ils meurent, quoi ils m'ont donné des trucs. Si j'ai des trucs pour des amis, à la rigueur je peux prendre ça vite fait. Ouais c'est exactement les mêmes donc ça sert pas à grand chose. Là c'est là où il y a les deux boss, ouais donc on a intérêt à faire gaffe. On a pas un petit truc pour les ennemis? Ça devrait être bon ça. Ça me donne des trucs mais je sais pas ce que c'est, je crois que c'est ça. Montre la puissance d'attaque, ouais. Oh, une bombe de poison, par contre ça c'est cool. Allez, pris dans un coin là, ça aurait déjà un peu plus simple. Je crois que j'ai plus de stamina, j'ai intérêt à faire gaffe. Bon, je me dis quand même, ceux qui font le jeu sans support, c'est des vrais bonhommes. Je sais pas comment ils font pour gérer. J'ai un ami qui est mort. 3 points, on va le rappeler. Il va quand même utiliser un item de soin. Ça commence à avoir un peu de monde par là. C'est à 9ème étage, on est full vie, ça va être bon. Vous voyez doucement comme ça la stamina descend pas. On va cachaler. On va lancer une petite bombe de poison. Oh son cristal. On a pris pas mal cher, on va se soigner tous. Augmenter, non c'est des antidotes, on s'en fout. Augmenter l'attaque de tout le monde, ouais. Bon par contre, tu te calmes. On peut ah, j'ai plus d'énergie par contre, on va se calmer. Je vois qu'on est aussi tous un peu en manque de vie.
Là, je suis plutôt bien en vrai. Je suis sur lui. Là, je prends plutôt cher. Dernier soin, j'espère que ça suffira. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de deuxième phage. Non, c'est bon. Level up en plus, c'est parfait. Et on peut récupérer encore un nouvel item. Une note. Ouais, le Luke Pack doit suivre 8 fonctions. Aider à nourrir les animaux. Donner les nutriments et ça les ingrédients pour cultiver. Je crois que j'ai la souris carrément sur l'écran, j'espère que ça pas trop. C'était pas trop gênant. Ouais bon, je vais pas tout lire, je vous avoue. Ça paraît un peu long. Ok, du coup on a enlevé le keypad qui était un peu méchant pour aider à l'écosystème. Sans peut récupérer, qui me donne... On augmente ma limite d'amis de 1. Parfait ça. On pourra rappeler quelqu'un d'autre.